raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord, les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire Pralinette et la chasse aux œufs. Tous les ans, au royaume de grands gourmands, le roi gourmet premier organise une grande chasse aux œufs dans les jardins du château. Petits princes et princesses sont conviés à la fête. Mais chaque année, c'est la même ritournelle. Le jeune éclair rafle tous les chocolats en un rien de temps. Il est si rapide que, à peine commencé, la chasse est déjà terminée. Et les autres enfants repartent bredouilles. C'en est assez, dit la princesse Pralinette. Cette année, je vais lui couper l'herbe sous le pied. À moi les chocolats! Voilà des semaines que la fillette se prépare pour l'événement. D'abord, elle s'est entraînée à courir plus vite que le vent. Puis elle a fait le tour des jardins et repéré les meilleures cachettes. Enfin, elle a troqué son jupon à froufrou et ses souliers vernis contre un pantalon et des baskets. Le jour de la fête, Pralinette est prête. Les concurrents se positionnent sur la ligne de départ. En pantoufles et pyjama, Éclair n'a même pas fait l'effort de s'habiller. Comme chaque année, il est sûr de gagner. Le roi gourmet siffle le coup d'envoi. Jouvencelle et freluquée, galopine et marmousée, je déclare ouverte la chasse aux œufs. Navomark, prêt, partez! Tous les enfants s'élancent, panier en main. En quelques secondes, Pralinette a dépassé ses concurrents. Elle scrute les buissons, plonge sur les bancs, écume les allées et son panier déborde d'œufs enrubannés. Derrière, Éclair grince des dents. Ses pantoufles glissent sur l'herbe mouillée. Et partout il cherche, Pralinette est déjà passée. Pendant qu'il bougonne, la princesse s'empare du dernier œuf en chocolat. « Victoire !» s'écrie-t-elle. Et toc, bien fait pour toi, Éclair. Fière de son exploit, Pralinette prend la direction du château. Quand, en chemin, elle entend pleurer. Sous un buisson, la princesse Amandine recroqueville et gémit. Je n'ai pas un seul œuf dans mon panier, c'est pas juste. En remontant l'allée, Pralinette découvre une ribambelle d'enfants malheureux qui pleurent à chaudes larmes. Comme l'an dernier et l'année d'avant, quand Éclair ramassait tout le temps. Oh, je n'ai pas le cœur à fêter ma victoire, se dit Pralinette. Alors la princesse rebouche chemin et, un à un, elle repose les œufs là où elle les a trouvés. Au détour d'une haie, elle tombe sur Éclair, lui aussi triste de n'avoir rien récolté. « Éclair, ça te dit de m'aider à redonner le sourire aux autres enfants ?» propose Pralinette. « Ensemble, allons cacher tous ces œufs. Et au passage, tu pourras en garder deux ou trois. » Éclair, qui comprend désormais ce que ça fait d'être privé de chasse aux œufs, accepte d'aider Pralinette. Et quand il ne reste plus que quelques œufs dans leur panier, le prince s'écrie. Jouvencelle et freluquée, galopine et marmousée, rangez vos mouchoirs et attrapez vos paniers. Pralinette et moi-même déclarons ouverte la chasse aux œufs. À vos marques, prêts, partez! Les enfants se relèvent d'un bond et s'éparpillent aussitôt dans les jardins. Une heure plus tard, tous les participants qui ont enfin rempli leur panier se retrouvent pour un goûter géant. Depuis ce jour, chaque printemps, au royaume de grands gourmands, oublié. La compétition. La chasse aux œufs est devenue un jeu qui rend tous les enfants heureux. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!